Garder l'actuel drapeau et conserver l'Union Jack, symbole du colonisateur britannique, ou en adopter un nouveau avec une fougère argentée, emblème des All Blacks, c'est le dilemme que sont appelés à trancher les Néo-Zélandais. Ils ont pour cela 3 semaines. Le référendum débute par voie postale ce jeudi et s'achèvera le 24 mars. Une consultation qui suscite des débats passionnés depuis 18 mois. Pour le Premier ministre John Key, à l'origine de cette initiative, c'est l'occasion ou jamais de débarrasser le pays d'une relique coloniale, une première depuis l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni en 1931. Mais à en croire les sondages, les Néo-Zélandais ne sont pas très convaincus. Plus de 60% boudraient la nouvelle version, pourtant sélectionnée parmi 4 autres lors d'une précédente consultation en décembre.